communauté internationale doit sanctionner le Rwanda. Ces propos sont du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, réalisant sur les rapports des experts des Nations Unies. L'association congolaise pour l'accès à la justice condamne les arrestations et détentions illégales opérées ces derniers temps par l'ANR. L'AKH demande au gouvernement de faire libérer les personnes détenues. Au Kenya, à trois jours de la présidentielle du 9 août, les deux principaux candidats, Raila Odinga et William Ruto, vice-président sortant, tentent de se positionner comme figure principale proche du peuple. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour vous informer. La communauté internationale doit sanctionner le Rwanda. Ces propos sont du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, réagissant sur les rapports des experts des Nations Unies, accusant le Rwanda de soutenir les M23. Christophe Lutundula était l'invité de RFI. Ça ne nous surprend pas, c'est ce que nous avons toujours dit. Pour quiconque veut connaître la vérité objective, est là. Ce qui reste à faire maintenant est que le Conseil de sécurité examine le rapport et en tire toutes les conséquences en termes de sanctions, en termes d'accompagnement actif de la RDC pour éradiquer les cancers de groupes armés, accompagner les efforts de l'Union africaine, de la communauté d'Afrique de l'Est et de la CIRG. Pour obtenir que les M23 se retirent des localités occupées et il reste aussi que l'Union africaine tire aussi les conséquences de ce rapport. Il reste également que toutes les organisations sous-régionales se comportent de la même manière. C'est dans ces conditions-là que ce rapport va servir comme il se doit et aider à mettre fin à l'insécurité qui règne dans la région des Grands Lacs. Mais des sanctions, autrement, le rapport aura servi à quoi? S'il n'y a pas de sanctions, on crée un précédent fâcheux et la tentation sera toujours forte de suivre ce mauvais exemple. Nous avons déjà suspendu la coopération et la mise en œuvre de tous les accords et ce qui est des engagements que nous avons pris. Nous n'avons pas l'intention de revenir sur des mesures qui sont déjà prises parce que les conditions de retour de la confiance ne sont pas réalisées. Dans tous les cas, la coopération avec un pays qui viole l'intégrité territoriale, la souveraineté de notre pays, ne peut se faire de n'importe quelle manière. Hein. Il faut que les conditions soient créées. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ces conditions s'apprêtent. L'association congolaise pour l'accès à la justice condamne les arrestations et détentions illégales opérées ces derniers temps par l'ANR. La CAJ demande au gouvernement de faire libérer les personnes détenues. Nous sommes en ligne avec Georges Kapiamba. Bonjour. Alors dites-nous, que reprochez-vous à l'ANR? Alors, nous avons documenté une trentaine de cas à travers tout le territoire national qui établissent que ces personnes sont arrêtés et détenus dans des conditions qui violent de manière grave leurs droits qui sont garantis par les articles 17, 18 et 19 de notre Constitution, notamment les droits aux visites des membres de famille, à l'assistance d'un conseil de son choix, mais aussi d'être transféré ou présenté devant une autorité judiciaire compétente après l'expiration de la garde à vue. Et donc nous demandons vivement aux responsables de l'ANR soit de libérer toutes ces personnes ou de les transférer auprès des parquets et au gouvernement aussi d'engager rapidement des réformes juridiques qui va permettre au moins de réformer tous les services de sécurité en général, l'ANR en particulier, afin de conformer les actes de leurs responsables et agents aux lois de la République, principalement aux exigences d'un état de droit. Au cas où vous ne trouvez pas gain de cause dans votre démarche, que ferez-vous? Alors, jusqu'où comptons-nous aller? C'est d'abord de reprendre les dialogues, les plaidoyers et les pressions sur les plus hautes autorités politiques de notre pays. Et entre-temps, nous allons aussi déclencher les dispositifs de saisine des mécanismes internationaux pour que cet état des choses puisse rapidement changer.
Pensez-vous que ce qui se passe actuellement à l'ANR constitue une menace contre l'état de droit? Bien sûr, c'est une menace grave. Une arrestation et détention arbitraire constituent des faits qui menacent un état de droit. L'état de droit, c'est notamment le respect de l'article 12 de la Constitution qui dit que tous les Congolais sont égaux en droit et en obligation et que tout Congolais a droit à une protection, à une égale protection des lois de la République. Mais lorsque les lois de la République interdisent formellement d'être arrêté et détenu sans respecter les droits garantis, la menace contre l'état des droits. Merci Georges Kapiamba d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'ACAJ. Insécurité et délinquance à Kinshasa, une vingtaine de présumés criminels ont été présentés au vice-premier ministre en charge des affaires de l'intérieur, Daniel Asselo, par le commandant de la ville de la police, ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, dans l'optique de faire de Kinshasa un havre de paix. La police nationale congolaise n'a pas hésité de mettre la main sur ces inciviques. Au total, 23 criminels, mais pas des moindres, car opérant à main armée et ayant déjà donné la mort à beaucoup des paisibles citoyens. J'ai bien expliqué, je me suis retrouvé dans une bande de criminels qui ont deux fois endeuillé la ville de Kinshasa et ses environs. Et Lucie est rwandais. Non seulement il a traversé la frontière congolaise clandestinement, il est également en possession des fausses identités, une carte d'électeur et un permis de conduire falsifié. Le pire, c'est que lui-même s'est reconnu comme trafiquant de la drogue. Sur lui, on a pu saisir une importante quantité de stupéfiants. Il y a un patron qui m'a proposé de venir travailler ici pour cette drogue. C'est comme ça que j'ai venu ici. Dans les endroits qui ne sont pas beaux, c'est comme ça que je demande pardon au gouvernement de la République démocratique du Congo. Je n'ai pas une autre croyance. Je n'en ai pas. Les autres sont spécialisés dans le trafic d'armes de guerre. Tous ont été arrêtés grâce au professionnalisme de la police dirigée par Silvano Kasongo à Kinshasa. Ils ont été présentés au vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui encourage la population à continuer la collaboration avec la police pour la sécurité de toute la population. Ces actes qui ne cessent d'endeuiller la ville pour rester à Kinshasa et plus de beaucoup de la province. Réaliser ce que les policiers provinciaux et ses collaborateurs ont fait, tel que nous sommes en train de le vivre présentement, oui, ça rentre dans le cadre de leurs attributions. Je le félicite très sincèrement. Le travail de Jean-Marie Kassamba rend fier toute sa communauté. Hier vendredi, le patron de l'espace 50 a reçu une visite de la notabilité de sa province d'origine qui lui ont transmis des messages importants d'encouragement. Patriote, il a été très ému par ses gestes. C'est dans son bureau de la Gombe que le patron de Télé 50 reçoit ses frères, notables comme lui, de Benampouka dans le Kassai oriental. Une visite de courtoisie au cours de laquelle ils évoquent des vieux souvenirs ou encore quelques figures emblématiques de cette lignée telles que les Kalonji, Makanda ou encore Tshisekedi, père et fils. Le Congo est une grande mosaïque, mais Jean-Marie Kassamba reste très attaché à la tradition. Usant de son grand aura, il prévoit dans les prochains jours une réunion de la notabilité kassaïenne. Ses hôtes lui ont rassuré que ses différentes interventions et surtout les travaux de titan qui là-bas est très suivi par toute la communauté locale et lui vaut une très grande admiration. Ça nous fait la joie, la satisfaction d'avoir un des nôtres compté parmi les géants dans le monde journalistique. Et le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail de titan, c'est un travail qui fait valoriser même notre communauté au niveau national et international. Jean-Marie Kassamba figure dans la liste très courte des fils de cette région émergeant dans le pays et en dehors du territoire national, ayant une adresse chez lui, des attaches et donc normalement une forte admiration de la communauté.
tension intercommunautaire à Kwamutu, dans le Maïndombé. Les conflits ethniques persistent dans l'affrontement entre les Yaka et les Teke. Les déplacements de la population est signalé dans 3 villages du territoire, notamment Tuo, Tia et Masiaka. L'administrateur de ces territoires sollicite l'intervention du gouvernement central. Les députés provinciaux David Bisaka, élu de ces coins, est joint au téléphone par Miyaka Yembe Euphrasie. Depuis que nous sommes là, nous n'avons jamais vécu de problème entre les Teke et Yaka, si ce n'est que cette fois-ci, où le Yaka se soulève contre le Teke et le Teke contre le Yaka. Nous ignorons vraiment la cause principale. Ceux qui venaient d'ailleurs doivent payer les redevances coutumières après. C'est ça, ils avaient signé des conventions pareilles. Mais cela ne peut pas nous amener à des disputes comme ça. C'est difficile, c'est vraiment difficile à comprendre. Le droit coutumier, dans le respect de la convention, ça ne pose pas de problème. Sauf que s'il y a débordement, ça peut poser problème. Maintenant, les normes de la convention sont respectées, ça ne pose pas de problème. Plusieurs services de l'État installés à l'entrée de la ville de Bounia sont désormais interdits de fonctionner sur l'instruction du gouverneur de l'Ituri. L'objectif est de réduire la tracasserie auprès de la population. Sur instruction du gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant général Luboy Nkashamajoni, les services de l'environnement, CNPR, Transcom, DGDA, OCC et consorts se trouvant à l'entrée de la ville de Bounia sont désormais scellés et interdits de fonctionner. Leurs portes ont été cadenassées par une équipe de l'auditorat supérieur. Seuls la DGRPI, l'ANER, le service de renseignement militaire et policier sont autorisés à fonctionner à la barrière Lengabo Mudzimpela et Délé, mais la perception des recettes est exclusivement réservée à la DGRPI. Le président intérimaire de la FEC Ituri salue cette action. À travers le scellage de ses services, le gouverneur militaire de l'Ituri veut maximiser les recettes de la province et lutter contre la tracasserie, ceci pour le bien-être des fils et filles de l'Ituri. Restons dans cette province, c'est parti pour les travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Bounia. Financés par le gouvernement central, ces travaux sont exécutés par l'entreprise Mongaboon. À cette occasion, le lieutenant général Luboy Nkashamajoni, gouverneur militaire de l'Ituri, a appelé la population à la culture fiscale. De la parole à l'acte, le travaux d'asphaltage de 8 km additionnels de la voirie urbaine de Bounia ont effectivement démarré ce vendredi 5 août à la grande satisfaction de la population de Bounia. Matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son passage en 2021. De travaux exécutés par l'entreprise Mongaboon, occasion pour le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboy Nkashamajoni, qui a inspecté le matériel de cette entreprise, d'appeler les opérateurs économiques de l'Ituri à la culture fiscale. Nous avons commencé, mais surtout continué. Des opérateurs économiques, ils doivent payer. Parce que pour faire ça, il faut de l'argent. Ils doivent éviter de frauder, mais de l'autre côté aussi, ils doivent montrer la bonne foi. Deux élus nationaux salient le débit de la pose de la couche d'asphalte. Nous avons vu tous les matériels qui sont neufs. Nous avons les pressions très satisfaisantes, puisque c'est un grand projet pour nous de l'Ituri. C'est ici encore le moment de dire merci au président de la République. Ici, nous félicitons le gouvernement de l'état de siège. Pour se rassurer de la capacité technique de cette entreprise, le gouverneur de province a visité la centrale d'arrobé de la société Mongaboon située à Délé, ainsi que les travaux d'agrandissement de l'aéroport national de Bounia sur financement du gouvernement central qui ne lésine pas sur les moyens pour doter l'Ituri des infrastructures répondant aux normes en plus de la détermination du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à pacifier la province en cette période de l'état de siège. En Afrique, rendons-nous au Kenya où les pays retiennent son souffle à quelques jours de la présidentielle de mardi. De grands meetings sont prévus à Nairobi ce week-end. Côte à côte, l'opposant historique Raila Odinga, un de favoris, et William Ruto, vice-président sortant.
Après 2 mois de campagne électorale au Kenya, 2 meetings sont prévus ce samedi. Une occasion ultime pour 2 candidats de tester leurs différentes forces en présence sur terrain. William Ruto, 55 ans et vice-président sortant, se présente comme les porte-voix du débrouillard de petit peuple. Il a choisi les stades de Nyayo et ses 30 000 places assises. À une quinzaine de kilomètres de là, son rival principal, Raila Odinga, 77 ans et ancien leader de l'opposition, désormais porté par le pouvoir, espère vibrer les 60 000 places du stade des Karazani. 22,1 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir les successeurs d'Uhuru Kenyatta en poste depuis 2013 et dans l'impossibilité de briguer le troisième mandat. Ils doivent aussi élire le député et le représentant locaux du pays considéré comme où la démocratie est la mieux enracinée en Afrique de l'Est. Pour ce scrutin qui aura lieu le 9 août prochain, la Fédération internationale des droits de l'homme a quand même signalé du cas de violence contre des femmes pendant cette campagne électorale. Ouvrons notre page sportive par la Ligue de cyclisme du Grand Katanga qui a organisé un séminaire des remises à niveau à Kolwezi du 30 au 31 juillet de l'année en cours. Plusieurs thématiques ont été développées par 5 orateurs sur le cyclisme et ses contours. Suivez la réaction du président de la Ligue, Didier Ndungu, après les séminaires des remises à niveau des sociétaires de la Bécane. J'étais très satisfait parce que, comme vous savez, c'était notre objectif. Nous avons invité de différentes entités, ils ont répondu favorablement. Parce que c'était vraiment impérieux de pouvoir organiser ce séminaire, une remise à niveau, parce qu'il y a toujours des lacunes. Lors d'une compétition, il y a toujours des problèmes qui se passent. Alors, quant à nous, il est de notre devoir de pouvoir aussi organiser ça. Autour de ça, il y avait beaucoup d'échanges. Notre objectif, c'est pouvoir avoir. Nous cherchons à avoir les résultats comme il le faut. Les coureurs qui franchira la ligne d'arrivée pour qu'il n'y ait pas de contestation à tout moment, chaque fois il faudra un directeur sportif ou soit un secrétaire comprenne bien les choses. Quand on organise, il y a des histoires de règlements que nous devons respecter et il y a des choses qu'il faut éviter parce qu'à chaque compétition il y a toujours un règlement spécifique d'une course. Afro Boxing International organise sa première édition de gala dénommée One on One Fit. Des combats professionnels prévus ce samedi à Chobeuse à partir des 18h à Kinshasa. Nous vous proposons de suivre l'un des co-organisateurs principaux, Kat Tengue. Nous avons eu à partager des invitations face à la plus actualité. Je peux vous dire même en ce moment, il y a au moins environ 200 invitations. Sont partis. Donc, si je n'ai pas bien saisi la question, je vais quand même essayer de répondre. Oui, bien sûr, il y aura plusieurs autorités de la place pour jeter les noms. Et voilà, ceux-là qui veulent voir et qui s'achètent les titres, venez demain, vous allez voir, il y aura plusieurs autorités de la place par ça. Merci. Vous savez, organiser un grand gala de boxe, ce n'est pas une tâche facile, surtout en un mois. Initialement, cet événement devait avoir lieu le 2 juillet. Alors que d'autres organisateurs, mes collègues, étaient en train de négocier des fonds avec les managers des boxeurs, cela nous avait pris du temps. Et nous avons changé la date. Du 2 au 15 juillet. En ce moment-là, on n'avait pas encore sur le programme de Jean-Paul Jean-Marie ni à Chibou Moussa. C'est après que ces contrats-là nous sont venus. Et les temps étaient trop serrés pour faire la promotion à l'auteur de ces contrats-là. En religion, le Canada demande l'extradition d'un prêtre français accusé d'agression sexuelle sur mineurs. Cette annonce intervient alors que le pape François vient de terminer son périple dans ces pays où il a demandé pardon pour les violences commises dans les pensionnats autochtones. Le prêtre français Johan Rivoire est visé par la justice canadienne.
Le pays demande son extradition, accusé d'agression sexuelle sur des enfants inuits il y a plus de 30 ans. Sujet devenu en symbole de l'impunité au sein de l'Église, d'après le ministre canadien de la Justice, David Lamati. Pour la justice canadienne, il est important que les crimes graves fassent l'objet d'enquêtes et des poursuites exhaustives. Le père Johan Rivoire, qui a passé 3 décennies dans les Grands Nord canadiens, fait l'objet d'un mandat d'arrêt au Canada depuis février, après le dépôt d'une nouvelle plainte en septembre pour une agression sexuelle survenue il y a environ 47 ans. À ces sujets, les autorités n'ont pas précisé le nombre total de ces victimes présumées. D'après plusieurs sources, le prêtre français n'a pour l'instant jamais été inquiété et le ministère français des Affaires étrangères a confirmé avoir reçu cette demande, qui est d'ailleurs en cours de traitement par le ministère de la Justice. Cette annonce intervient alors que le pape François vient de terminer un voyage au Canada où il a demandé pardon pour les violences commises dans les pensionnats autochtones où de nombreux enfants avaient été victimes des sévices. Le père Johan Rivoire avait déjà fait l'objet d'un mandat d'arrêt entre 1998 et 2017 pour agression sexuelle contre 3 mineurs. Il n'a jamais été suivi des faits. Le prêtre a quitté le Canada en 1993 et vit désormais à Lyon. Place au rappel des titres à présent. La communauté internationale doit sanctionner le Rwanda. Ces propos sont du vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, réagissant sur les rapports des experts des Nations Unies. L'association congolaise pour l'accès à la justice condamne les arrestations et détentions illégales opérées ces derniers temps par l'ANR. La CAJ demande au gouvernement de faire libérer les personnes détenues. Au Kenya, 3 jours de la présidentielle du 9 août, les 2 principaux candidats, Raila Odinga et William Ruto, vice-président sortant, tentent de se positionner comme figure principale proche du peuple. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à tous. L'actualité reste à continuer.